Que la fée aujourd'hui, on se retrouve pour mon premier gameplay sur Call of Duty. Ça commence bien. Call of Duty Advanced Warfare. Donc, je l'ai donc dessus en milieu de semaine, là, mais vu que j'étais à faire mes études dans le Nord Finistère, j'ai pas pu le tester de suite. Donc, je vais avoir mon week-end de 4 jours pour le tester à fond. Je suis déjà niveau 26, je crois, en une soirée. C'est vrai que vous allez voir que les niveaux se passent assez rapidement. Mais ça, on va revenir un peu par la suite. Donc, je vais vous présenter le gameplay. Donc, je suis donc à la balle 27. Comme vous l'aurez remarqué, c'est ma première partie sur Call of Duty Advanced Warfare. Et comme par hasard. Enfin ça j'ai pas trop compris, mais comme par hasard ça va être ma meilleure partie de la soirée. En gros ça va être ma meilleure partie de la soirée quand je vais jouer quoi. En gros quand j'ai passé mes 26 niveaux, ça a été la meilleure partie, ça a été ma première partie qui a été la meilleure. Je sais pas pourquoi. Ne posez pas la question pourquoi, j'en sais rien. Tout simplement je pense parce que comme vous l'avez remarqué, tous les joueurs qui étaient dans ma partie à moi commençaient juste Call of Duty Advanced Warfare. Vous avez vu qu'ils étaient niveau 2 ou 3 ou 4. Donc voilà, donc c'est vrai que c'était des gens qui faisaient leur deuxième partie, voire leur première partie. Donc c'est vrai que c'était un peu plus simple pour ma part pour tuer ces ennemis bah, qui connaissaient pas la map, tout comme moi. Par contre, après, c'est vrai que les autres parties, je tombais contre des mecs qui étaient déjà prestige 1, voire 2, je sais pas c'est quoi le logo du 1 ni du 2, mais on voyait que c'est des mecs qui avaient déjà passé les prestiges, c'était des logos un peu bizarres, donc voilà. Et c'est vrai que là, ça a été beaucoup plus dur. C'est vrai que on va revenir par la suite, mais c'est vrai qu'une Manescuff ou Burn, quelqu'un qui a une Manescuff ou Burn, va avoir un énorme gros avantage en termes de double jump shot. Tout simplement parce que les double jumps, je me suis rendu compte que quand tu appuies deux fois sur croix et que tu veux revenir sur ton joystick, t'as ta caméra qui, quand tu reposes ton doigt sur le joystick, bah, la caméra part vraiment dans tous les sens, c'est vraiment l'horreur. Et donc, j'étais donc à la balle 27, j'étais sans accessoire du coup, et je crois que j'ai débloqué tous mes score streak, je crois, en plus, dans cette partie. Je crois que j'ai fait un bon... par rapport à ce que j'ai pu entendre au niveau du gameplay sur Advanced Warfare, pour moi, j'ai fait une bonne partie pour une première partie sur Advanced Warfare. Bon, je vous cache pas que j'ai fait une partie avant contre des bots pour voir comment on faisait le double saut, comment on faisait pour faire des sortes de sauts rapides là en avant, je sais plus comment on appelle ça là, enfin une sorte de mouvement où ça vous avance en de mètres rapidement là, enfin c'est une espèce de pulsion où le mec quand t'appuies sur le joystick gauche bah il se met à faire une sorte de déplacement éclair à moitié là, enfin, vous m'avez compris. Donc du coup aujourd'hui j'avais donc juste envie de vous parler un peu des nouveautés qu'on pourra remarquer et des similitudes qu'on pourra remarquer sur ce Advanced Warfare. Donc tout d'abord on va parler des modes de jeu. Donc il y a un nouveau mode de jeu qui est très intéressant, qui pour ma part j'ai déjà testé, qui est le mode Uplink, donc un mode de jeu on va dire plutôt réservé aux objectifs players, c'est à dire à ceux qui jouent pour l'objectif, c'est à dire qu'en fait c'est un peu un sorte de mode c'est de Uplink en fait, c'est du mode où en fait vous avez une balle dans chaque camp et si vous voulez il faut envoyer la balle dans le camp ennemi, donc c'est un peu comme une capture drapeau sauf que là c'est une balle, donc en fait il faut envoyer la balle dans le camp ennemi comme c'était la capture drapeau, où là c'est le drapeau qu'on met dans le camp ennemi. Donc voilà, et vous marquez des points et celui qui a plus de points à la fin des mois gagne. En gros c'est ça. Voilà. Bon pour ma part c'est vrai que pour le moment je vais pas vous cacher que j'ai joué beaucoup au mode domination car c'est le mode que je préfère sur Call of Duty, ça je vous le cache pas. Un peu d'élimination confirmée que j'ai fait aussi, c'est vrai que vous rapportez pas mal de points avec les pièces et tout. Mais par contre, il y a un truc que j'ai été surpris, c'est de la santé. Mais arrête, mais tout le monde dit qu'il n'y a pas de santé, vous foutez de moi, mais il y a une santé de ouf sur ce Call of. Il faut mettre je sais pas combien de balles. Bon, c'est vrai que je vais pas vous cacher les connexions, c'est vraiment des connexions un peu merdiques. Enfin, un peu merdiques, très merdiques, parce que tu peux passer de 4 barres à une barre, tu sais même pas comment. C'est un truc de dingue. C'est vrai que des fois, vous allez voir que le gameplay, ça, des fois, je vais saccader un peu, je vais commencer à bugger un peu dans tous les sens. Et il faut pas comprendre pourquoi.
Je regardais des vidéos sur YouTube et tout le monde dit ça. Apparemment, les connexions là en début de Call of, c'est vraiment l'horreur. Les connexions sont vraiment irrégulières. Tu peux passer du 4 barres à une barre en 2 secondes. Donc, ça, c'est un peu embêtant. T'es en série, tu te fais killer, tu sais pas comment, alors que tu lui as foutu un chargeur. C'est un peu. C'est la merde. Franchement, ça fait un peu rager. Franchement, pour le moment, je rage un tout petit peu parce que je me fais buter vraiment bêtement. J'arrive pas à faire des grosses séries. C'est vrai que ma meilleure série, je crois, ça doit être 11 ou 12 d'affilée. C'est pas dans cette partie, je crois que j'ai fait la plus grosse série. J'ai fait une grosse série après dans une autre partie, dans ma soirée là. Mais c'est vrai que franchement ça va être très chaud de faire la DNA et je comprends pourquoi il n'y a que 3 DNA FR qui sont sortis encore sur YouTube depuis que 5 jours qui sont sortis sur YouTube. Simplement parce que ça va être très chaud d'aligner 30 kills d'affilée sans score streak. Parce qu'en fait je me suis trompé dans ma vidéo où j'ai annoncé qu'il y avait la DNA bombe. J'ai dit que c'était 30 kills avec score streak et c'est sans score streak les 30 kills en fait pour avoir la DNA. Et franchement, je peux vous dire que c'est pas un Black Ops 2 où vous descendez les ennemis en 5 balles. Là, il faut au moins 10. Le gameplay parle de lui-même. Il faut je sais pas combien de balles pour faire descendre les ennemis. Bon, après, ça a l'air d'être assez irrégulier. Bon, après, je suis en phase test du jeu. C'est-à-dire que pour le moment, j'essaye de tester toutes les armes. Je teste les nouveaux modes de jeu. Je teste les atouts, les nouvelles classes, la personnalisation des classes, dont on va revenir tout de suite. Je teste vraiment plein de trucs. Et c'est pour ça que, après, bon, voilà, les parties sont pas exceptionnelles de la soirée. Mais après, quand je vais trouver ma bonne classe, après, je pense que j'arriverai à faire des bonnes parties, ça c'est clair. Bon, c'est vrai qu'après, là, pour le moment, le ratio élimination mort, etc. Ça, les statistiques, pour le moment, je m'en fous un peu complètement. J'arriverai, de toute façon, si je dois remonter là-bas, j'arriverai plus tard si je trouve une bonne classe, etc. Même quand j'aurai testé tous les armes, il y a un moment. Et puis même prendre l'habitude de jouer avec les doubles jump shots, essayer de faire des drop shots aussi. Dès que j'arriverai à vraiment gérer bien Advanced Warfare avec ma manette, parce que c'est vrai qu'aussi, je suis en phase aussi un peu d'adaptation à la manette PS4 sur Call of Duty, parce que c'est vrai que passer d'une manette PS3 à PS4 c'est pas la même chose, la manette PS4 est plus volumineuse comparée à une manette PS3, donc ça change un peu. Franchement, je vous cache pas que ça change beaucoup d'une manette PS4 à PS3, c'est pas la même forme. Je pense que quelqu'un qui passe sur Xbox 360 et Xbox One, il a plus de facilité parce que les manettes sont à peu près de même taille et la même on va dire caricature, en gros c'est la même si vous voulez, la structure de la manette est exactement la même, quoi. Il n'y a pas de changement de forme, tandis que la manette PS4 est un peu plus grosse sur les bords, quoi, on va dire. Donc voilà, donc du mode de jeu Humping, donc un mode de jeu qui est pas si mauvais que ça, bien pensé, franchement, je ne le cache pas. Les armes donc similaires ou remasterisées par rapport aux anciens Call of, vous allez retrouver l'AK-12, vous allez en termes de fusil d'assaut, vous allez retrouver aussi le Lynx en fusil précision, sniper quoi. Et j'ai pas fait le tour des autres armes, j'en dirai un peu plus dans les prochaines gameplay, mais franchement, pour le moment, je suis vraiment en gros mode découverte du jeu. Franchement, il y a tellement de trucs à découvrir, c'est un truc de dingue. Je viens de manger, désolé. Putain, j'arrive même plus à parler. Donc voilà, donc les armes, soit elles ont été remasterisées. C'est vrai que la Bell 27, elle me fait un peu penser. Enfin, je sais pas vous, mais moi, la Bell 27, quand tu vis, j'ai l'impression que c'est une Honey Badger. Quand t'es dans le viseur, c'est à moitié une Honey Badger. Et elle est super puissante, la Bell 27. Et j'ai l'impression qu'ils ont mis les meilleures armes au début du déblocage des armes. C'est-à-dire que la Bell 27, tu la débloques direct dès que tu commences niveau 1. Et c'est la meilleure arme fusil d'assaut que je teste pour le moment. Bon, il y a la K12 qui est super puissante. Le seul problème que je vais trouver sur le multi, c'est que les mecs, voilà, ils ont trouvé leur arme favorite et ils jouent quelle arme favorite. C'est-à-dire c'est soit du Bal 27, soit du AK-12 sur le multi. Et franchement, ça casse les couilles parce que tu mets en 2-3 balles. Et c'est vrai que pour quelqu'un qui teste des mitraillettes, parce que les OMG, c'est-à-dire mitraillettes, elles sont très dures à prendre en main, tout simplement parce que elles ont un recul de ouf. Par contre, elles ont une cadence de tir importante. Mais c'est vrai que quand vous avez des ennemis qui sont à portée lointaine, et ben c'est chaud parce que soit ils prennent pas leur balle à cause des conditions merdiques, ou alors l'arme monte, alors il faut donner une mini pression sur le joystick pour que ça revienne sur l'ennemi. Donc c'est vrai que les armes, c'est un peu plus réaliste. Franchement, il y a beaucoup plus de recul sur les armes. Donc c'est vrai que c'est chaud à s'adapter aux armes aussi. Je passe vraiment vite fait parce que j'ai vraiment pas le temps. J'ai tellement de choses à vous dire, c'est un truc de dingue. Il aurait presque fallu que je sorte deux gameplays pour vous parler de tout ça, mais j'ai pas le temps. Donc j'en reviendrai de toute façon par la suite dans les prochaines vidéos que je ferai. Parce qu'il en est des classes personnalisables, je regarde juste le temps combien on est. Ok, on est déjà à la fin du gameplay, c'est la merde. Je sais pas comment je vais faire, mais c'est pas grave, on va parler un peu plus vite. Pour ce qu'il en est des classes personnalisables, on arrive de 10 éléments. Parce qu'en fait, je l'ai pas dit, mais en gros, hein, si on pourrait donner une similitude à un 9 Call of Duty, on se rapproche beaucoup de Black Ops 2 quand même. Vous avez qu'à voir que les médailles, c'est un peu du Black Ops 2. Les points, ça affiche un peu comme du Black Ops 2. C'est en façon de score streak et non de kill streak. Il y a ces 30 kills d'affilée pour réaliser une bombe nucléaire. Bon,
il y a l'arrivée de la DNO qui est intéressante, mais s'il y a que la rage qui arrive à en sortir, ça va pas le faire. C'est vrai que pour le moment, je crois qu'il y a que la rage sur YouTube qui a sorti, qui a réussi à sortir. S'il y a Globox aussi qui a sorti une, je crois. Peut-être Tonio aussi, j'en sais rien, j'ai pas trop regardé. J'ai pas trop le temps de regarder les vidéos sur YouTube, je suis à fond dans Advent Surface, surtout que j'ai un week-end de 4 jours, donc je vais le tartiner à bloc ce jeu. Bon, bref, là n'est pas le sujet de la question. Donc les classes personnalisables, beaucoup plus libres. On peut mettre maintenant 13 éléments. Donc autant vous pouvez supprimer complètement tous vos score streaks et mettre plus d'atouts, soit plus de mettre dans les de capacités dans les atouts, soit dans les armes. C'est-à-dire vous pouvez mettre vous pouvez mettre 3 accessoires sur les armes principales comme la Kozo, mais aussi 3 armes, 3 accessoires principales sur secondaire. Et vous pouvez aussi mettre 2 atouts 1, 2 atouts 2 ou 2 atouts 3 comme vous le souhaitez. Donc ça c'est vraiment une bonne chose et franchement ça envoie vraiment du pâté. Donc je pense que franchement les score streaks ils sont pas exceptionnels, franchement. Vous allez voir le Warbird, je vais faire aucun kill avec. Bon, après, c'était la première fois que je débloquais, vu que c'était ma première partie, donc je pouvais. Franchement, c'était une première pour moi de le tester. Mais en gros, c'est un mini adapt de combat, il est beaucoup moins puissant. Et belle triple au passage d'ailleurs. Et c'est vrai que du coup, le Warbird, j'ai eu le mal à gérer. Et franchement, je pense, c'est triste à dire, mais le score streak le plus intéressant, je pense qu'il va être dans Advent Warfare, c'est le drone, parce que plus vous envoyez de drones, plus le drone devient intéressant, c'est-à-dire il commence à afficher les ennemis à travers les surfaces, il commence à faire une mini micro-station qui apparaît après chaque pulsion de radar, et vous allez voir, à bout d'un moment, plus vous envoyez de drones, plus les ennemis restent longtemps affichés sur la mini-carte, donc ça c'est vraiment un atout qui va être vraiment excellent. Donc voilà, donc on arrive à la fin de ma partie sur Advanced Warfare. Le seul truc que je voulais vous dire aussi, c'est aussi qu'on avait les exosquelettes, il y avait des compétences différentes. On a soit le mode invisible, on peut avoir le mode où on se déplace rapidement dans un laps de temps déterminé en appuyant sur la touche L2. Et donc voilà, j'ai rien d'autre à vous dire. Mes projets à venir, rapidos, j'en reparlerai plus tard dans une autre vidéo, c'est que j'ai projet de faire un let's play sur la campagne solo, donc il y aura un épisode demain ou après-demain, on verra bien. Et j'ai un projet aussi de monter les armes en or en live, c'est-à-dire qui s'appellerait la série The Golden Live. J'ai envie d'appeler ça comme ça. Et en gros, je monte en live en facecam avec vous tous les armes en or du jeu en facecam. Donc il y aura des parties mauvaises comme des parties bonnes, mais le but est de monter les armes en or en live en facecam. Donc dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que ce premier gameplay vous aura plu. Pas exceptionnel, mais quand même plus de 40 kills pour à peu près une dizaine de morts. Donc pour une première partie sur Advanced Warfare, c'est plutôt pas mal, je vous le dis. Donc voilà, donc sur ce, je vous souhaite à tous. Je vois que j'ai déplacé sur le gameplay, donc je vais pas continuer plus longtemps. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée. C'était Mr. Club. J'espère que ce gameplay vous aura plu. Vous aura plu, pardon, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye.